Ouais, c'est bon. Nous sommes à Bercy, devant le ministère du budget et de l'économie. Et derrière ces murs se trouve la liste des 3000 Français qui ont un compte en Suisse. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale a déclaré « Cette liste existe et je l'ai rencontrée. » Et certains noms attirent le regard. Essayons d'en savoir plus. Dis donc, j'aurais jamais cru que c'est ici qu'on puisse trouver des comptes en Suisse. Et arrête de me filmer de profil, j'aime pas mon nez. Nous sommes devant la permanence de Jean-Pierre Brard, membre de la commission des finances. Ni le ministre, ni le président de la commission n'ont voulu nous répondre. Peut-être que lui va nous renseigner. Vous pouvez me lâcher la main maintenant Non mais lâchez-moi la main. On sait que vous avez la liste, en tout cas qu'on vous en... On le sait, c'est pas la peine de dire j'ai pas la liste, parce que le président de la commission dont vous faites partie là, donc il a dû à table à midi vous glisser un mot, alors vous pouvez nous... Il a dû vous dire quand même un ou deux noms, alors dites-nous un ou deux noms. Non, seul... Un nom. Juste un nom seul. Seul Gilles Carrez et Didier Migaud ont vu la liste qu'ils n'ont pas. Il y a Gilles Carrez et Didier Migaud dedans, c'est pas bien... Non, ce sont des honnêtes gens. Moi si par exemple je vous donne une liste de noms, ouais. Du style « Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît » ou alors « Je vous demande de vous arrêter, monsieur le Premier ministre » ou alors « Nous, les acteurs, on est... » Si je vous donne, bon, sans vous dire vraiment les noms, mais que je vous insinue, vous pouvez demander demain à Wörth. Absolument. Je demande dès demain à Éric Wörth « Est-ce que ceux qui m'ont été proposés par Canal+, sont bien sur la liste, sur votre liste de truands ?» Il vous répondra. Eh bien, écoutez, s'il ne me répond pas, je l'interrogerai à la tribune de l'Assemblée nationale et comme ça, vous pourrez rendre compte. Vous l'avez dans le nez, Wörth. Oh, je ne l'ai pas dans le nez, je l'ai dans mon champ de tir. Nous faisons tout pour que vos vacances soient parfaites. Nous arrivons à l'Office du tourisme suisse. À défaut de nom, peut-être qu'eux, ils pourront nous donner une indication sur l'estimation d'allées et venues, hein, depuis la déclaration. Alors pour vous, c'est uniquement, on va en Suisse uniquement pour manger des chocolats et se balader? On va aussi manger des chocolats et se balader. On va surtout profiter d'un cadre de vie qui est exceptionnel, d'une qualité de vie qui est bien, de vacances différentes qu'on ne peut pas forcément trouver en France. Mais c'est surtout une qualité de vie que les touristes viennent chercher chez nous. Oui, ils viennent chercher une qualité de vie surtout. Surtout ça, en fait. Voilà. Bon. Bah, t'inquiète pas, va. Tu peux laisser ton argent là-bas, ils t'emmerderont pas. On n'a pas eu de nom, pas d'indice, seulement quelques soupçons.